Bonjour, bonjour à tous. Wouh! Alors, on est parti du port de Camaret il y a trois quarts d'heure à peu près. Combien de vent? Établi 24 rafales à 27. Ok, donc établi 24 rafales à 27, je répète. Pour ceux qui n'ont pas entendu, on est avec Jessie. Pointe du Toulinguet, par là. Départ rock'n'roll ce matin, parce qu'on était à couple d'un bateau qui a été en panne moteur, donc ça a été un peu rock'n'roll. Voilà. Et puis Camaret, pour ceux qui connaissent, c'est pas toujours facile de sortir. Il y avait du trip, il y avait du double. Ah, la vedette, à fond la quête. On avance à combien de nœuds, nous, Thierry? En moyenne, 7. En moyenne, 7. Voilà. Voilà, je peux pas trop vous filmer la mer parce que je suis calée ici, là. De ce côté-ci, mais... C'est ça, capitaine, il dit, va pas me casser la gueule. Ça, c'est pas fou. Allez, je vous fais un petit tour de ce côté-là. Alors, j'ai pas eu le temps de mettre le stabilisateur, je suis désolée. Pour l'instant, c'est top. Direction Roscoff. Ouais. Du coup, on fera très certainement pas une pause à la mer. On voulait s'arrêter parce que, bon, voilà. Mais... Je pense qu'on va, on va aller directement sur Roscoff. Voilà, coucou Mélanie. Regarde pas trop, tu vas vomir. Hein. Coucou Ahmed, ça va? Ah, tu sais que ton rhum il a voyagé. Hein. Mal à la tête. Ah, et le capitaine, il a dit, il lui a fait même mal à la tête. c'est le gingembre et menthe, ça fait mal aux tripes en fait. Ah, c'est vraiment top. On va vraiment se régaler parce que c'est vraiment du bon vent pour rentrer. Voilà. Après, le soleil, il aurait été bienvenu, mais c'est pas le cas, donc on s'en fiche. Ah, voilà. Pointe du Toulinguet. Ah, papa, il s'occupe de son petit-fils. On est à Camaret. On est parti de Camaret, Mélanie, il y a à peu près trois quarts d'heure. Bon, je vais vous laisser, je vais... partir à la recherche du café que j'ai fait, mais que je ne sais plus où j'ai mis. Voilà, et on va se prendre un petit café en nage. Allez, une dernière image. C'est bon ça. Allez, à plus. Alors là, on a 25, 21, 22 établis. On est pas mal. On va filer jusqu'à Roscoff. Alors le danger, c'est les bouées. Là, il y en a. Il y en a une là et une autre là. Alors on les voit pas bien dans la mer. Ça file pas mal. On avance à 6, 7. La renverse a lieu à 10h, il me semble.
bloquée. Donc là on est plutôt pas mal. Christelle pas malade. J'ai pris deux riz dans le génois. Mais c'est pas mal. Là on commençait à perdre des tas de poids, il y a un peu de brouillard, pas de la pluie. Donc là ça va être la partie la plus, on va dire, désagréable. Après on sera en vente arrière de Saint-Mathieu jusqu'au four et après Tribord avec un vent du sud normalement, si ça n'a pas changé depuis. Mais on est bien content, on a fait un beau départ de Clamaret, pas simple, le port était blindé. Et on a bien géré, donc on est pas mal. On n'a pas une grosse mer pour l'instant, j'espère qu'au four sera pareil. On avait réfléchi à aller à Ouessan pour montrer au petit là, parce qu'il n'a jamais vu Ouessan, mais bon là ça, pas la peine d'aller tenter le diable, il y aurait vraiment de la mauvaise herbe là. Donc voilà, j'espère que ces petites images vous plairont. Donc je vous rappelle qu'on est au mois de décembre. Hein. C'est pas, faut pas croire ce qu'on vous dit, nous ne sommes pas au mois d'août. Hein. Il y a un truc qui s'est passé. Mais voilà. Bon, ben, je vais vous laisser parce que là il pleut. Et ça tabasse. Allez, je vous laisse, Canabo. Saint-Mathieu au loin. On a viré. Changement de cap. On est à combien de nœuds, capitaine? 17-22, vent arrière. Ok. Ah, le capitaine n'aime pas cet endroit. Voilà. Alors, je filme. Parce qu'on a, on a un rayon de soleil. You. Et alors, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On voit au loin une punaise de vedette. On se dit, Michel, Anaïs. Eh ben non! Bon, en tout cas, je sais pas si vous voyez, mais alors elle envoie du pâté. Elle est magnifique, mais vraiment. Alors, je sais pas, je vais essayer, voilà. C'est un truc de fou, quoi. Eh. Je sais pas si t'entends le moteur, Michel, mais je pense que. Oh, punaise! Elle est magnifique, vraiment. Elle pousse de l'eau, comme il dit Thierry, exactement. Alors je sais pas si tu entendras, mais écoute, c'est superbe, vraiment. Et Anaïs, là, t'es pas devant la proue, hein. Magnifique. Bon, en tout cas, nous, on a du vent. 29 nœuds. À 8-7 au maximum. 8-7 au max. Je sais pas si t'as entendu. Thierry, il a dit on pourrait presque te suivre. Sans consommer de gasoil. Voilà, bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Bah, nous, c'est nickel. On est en plus avec Jessie, voilà, fils à Thierry. Donc, un équipage au top. Des bisous. Alors, Plouguerneau, à ce niveau, par là. Voilà, là on arrive dans des zones un peu de haut fond. Vent arrière depuis
Grand Largue, pardon. Ouais. Grand Largue, c'est vrai, ok. On est comme ça depuis un moment, depuis Saint-Mathieu à peu près. On a fait quelques vidéos, vous verrez. C'était un peu plus hard. Donc là, Thierry est à la barre. Le pilote ne tient pas. Voilà, donc... il est à la barre tout sourire. Un capitaine heureux sur son bateau. On a fait des vidéos qu'on vous montrera un petit peu plus tard. Ouais, c'était du costaud. Mais c'était top. Top, top, top. Alors, par là, Plouguerneau. Phare de l'île Vierge. Donc, on a fait 45 000. Ouais, donc, il en reste 26. On est par. On avance à 8-4 et on a fait une pointe à 17 sur un surf. Hop là, je vous montre un peu les instrus si je peux. Je ne vais pas gêner le capitaine. Hop là. Tac. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Pas mal. Une belle houle. Sieste pour Jessie. Donc Thierry est à la barre, hein, le pilote. Pilote a du mal. Voilà. Ouais, donc le capitaine il dit 7 nœuds de moyenne. On se croirait au mois de décembre, nous. On n'est pas au mois de décembre. Non. Pas grand monde en mer, hein. On a croisé quelques voiliers et une belle vedette. Mais il n'y a pas grand monde. Voilà. Donc il a plu. Ouais, on est bien trempé. Et là, on est très content qu'il y ait un rayon de soleil. Allez, je fais un clac-clac. Clac-clac. Je suis avec mes lunettes. Donc, je les ai depuis 4 heures. Je suis pas malade, donc c'est top. Bon, niveau look, c'est pas top, mais on s'en fout. Voilà. La petite houle sympa là, tac. Bon, le pavillon, on l'a replié là.
Il faisait giter le bateau. Ah, je sais pas qui c'est qui a dit ça. C'est Michel. Ouais, c'est ça. C'est très agréable. 25 quand même. Alors, je sais pas si je vais rester longtemps, mais on voulait quand même vous faire partager cette petite arrivée rock'n'roll. Alors, l'île de Bas, hein, tout le monde reconnaîtra. Et je vous promets que c'est... Wouh ! C'est magnifique. Combien de nœuds ? 26 nœuds.